Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau magazine de l'information consacré à l'Afrique et au Moyen-Orient. Et on commence tout de suite avec cette inquiétante offensive turque dans le nord-est de la Syrie contre les Kurdes. Depuis le 9 octobre en cours, de violents combats ont lieu sur le long de la frontière syrienne et ont déjà fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de milliers de déplacés kurdes. La Syrie, qui se remet à peine de ses plaies récentes, doit désormais faire face à une nouvelle guerre. Il n'y aura pas de négociation. Le président turc ne reculera pas sur son opération militaire menée à la frontière de son pays avec la Syrie. Recep Tayyip Erdogan, sur un ton ferme, appelle les forces kurdes à déposer les armes. Une position intransigeante malgré que plusieurs pays continuent d'appeler Ankara à cesser son opération militaire dans le nord-est de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan ajoutera que ces tentatives de médiation resteront vaines car il n'y a rien de tel dans l'histoire de la République turque que de s'asseoir à une même table avec une organisation terroriste, dira-t-il. La Turquie a lancé la semaine dernière une opération militaire dans le nord-est de la Syrie contre la milice kurde des unités de protection du peuple kurde. Les Kurdes de Syrie ont annoncé il y a quelques jours avoir conclu un accord avec Damas pour le déploiement de l'armée syrienne dans le nord du pays afin de s'opposer à l'avancée rapide des troupes turques et de leurs alliés. Depuis le début de l'offensive, plus d'une centaine de combattants kurdes et plus de 60 civils ont été tués dans les violences, selon un dernier bilan de l'OSDH. Plus de 130 000 personnes ont été déplacées, d'après l'ONU. La Turquie a annoncé de son côté la mort de 6 soldats en Syrie et de 18 civils dans la chute de roquettes kurdes sur les villes frontalières turques. Il faut rappeler aussi que depuis le 9 octobre, l'opération turque a ouvert un nouveau front dans le conflit en Syrie, où interviennent acteurs régionaux et internationaux, et qui a fait depuis 2011 plus de 370 000 morts et poussé à la fuite des millions de personnes. L'opération vise aussi à instaurer, selon la Turquie, une zone de sécurité de 32 km de profondeur pour séparer la frontière turque des territoires contrôlés par les unités de protection du peuple kurde. Le Sénégal vient d'inaugurer la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Les fidèles, des adeptes du mouridisme sunnite, sont venus des quatre coins du pays pour y assister et espérer y faire une prière sous son dôme doré et son minaret qui culmine à plus de 70 mètres. En bus, en voiture ou même à pied, ils étaient des milliers à affluer vers la nouvelle grande mosquée de Dakar pour prendre part à l'inauguration de ce bâtiment grandiose. Aux yeux des Sénégalais, la bâtisse témoigne du rayonnement d'une des plus puissantes confréries musulmanes du pays, les Mourides. Dévotion, fierté et sensation d'un moment d'histoire se mêlent dans la foule qui s'agglutine autour de ce que ces bâtisseurs présentent comme la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes venus comme tout talibé mouride célébrer ou bien participer même à l'inauguration de cette sainte mosquée que vous voyez. Nous sommes des mourides. Ouais. Nous sommes des mourides. Et c'est notre fierté. C'est notre fierté de venir ici assister à l'inauguration de la mosquée. Donc c'est normal qu'on soit fier. Ouais. En dehors de la métropole de 3 millions d'habitants, les embouteillages se sont étirés sur des kilomètres. Plusieurs jours avant, des milliers de fidèles ont campé sous des tentes dressées à l'extérieur de la mosquée pour assister à l'inauguration. Mosquée qui peut accueillir jusqu'à 30 000 personnes sous sa coupole dorée, dans ses salles de prière et sur son esplanade. Elle dispose aussi de 5 minarets dont le plus haut culmine à 78 mètres, d'où se sont alors élevées les prières et les poèmes du fondateur du mouridisme. Par ses dimensions et la ferveur qu'elle suscite, la mosquée matérialise l'influence historiquement exercée à la fois par les mourides et les confréries musulmanes. Les mourides, d'obédience soufie, des sunnites, forment avec les tidianes, les layennes et les khadr, les quatre principales confréries qui continuent à jouer un rôle prépondérant au Sénégal. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le monde musulman, mais aussi pour nous, les disciples mourides. La mosquée a été en grande partie financée par des dons des fidèles, ainsi que de grandes fortunes sénégalaises, des chefs religieux, des personnalités politiques. L'État a lui offert les 6 hectares de terrain sur lesquels elle a été bâtie. Un professeur d'école au Mali fait bouger les lignes en marchant. Tiékoro a parcouru près de 500 km à pied pour interpeller les autorités de son pays sur l'état désastreux de l'école de son village, dont il a obtenu la prochaine reconstruction.
Avec son boubou couleur crème, il a marché ainsi pendant des jours. 500 km au total et à pied à travers tout le Mali. Son défi, interpeller les autorités sur l'état désastreux de l'école de son village. Ce professeur d'allemand veut une école digne de ce nom pour ses élèves. Le but, c'était la reconstruction de l'école de Lahandi, mon village, là où j'ai fait mon cycle fondamental. Parce que depuis des années, l'école traverse une sérieuse crise. Et pour cela, moi, en tant que citoyen, en tant que digne fils de la localité et du Mali en général, je me sens interpellé. En tant qu'enseignant, je me sens interpellé. Parce que l'éducation, c'est non seulement un droit, mais aussi un devoir. Tiekoro a marché ainsi, et en pleine période de rentrée scolaire, jusqu'à la région de Kayes, près de la frontière sénégalaise. Hébergé temporairement chez un ami dans la capitale, le jeune homme montre à qui veut le voir de grandes photos de l'école de son village natal, toit défoncé, maintenu par une fourche, et mur inexistant, remplacé par de la paille. Je vais préparer ça de mon propre fond, parce que je sais que je dois contribuer pour ce pays-là. Je dois contribuer pour ces enfants-là. Alors quand j'ai démarré le premier jour, j'ai rencontré pas mal de péripéties, pas mal d'hostilité sur la route. Parce que j'ai été au premier départ, même abattu fortement par la pluie ces jours-là. Mais j'étais tellement déterminé dans la tête que je ne voulais pas arrêter. À son arrivée à Bamako, il a été reçu au ministère de l'Éducation, où on lui aurait promis de reconstruire l'école de son village courant 2021. Pour paraphraser un peu ce que j'ai appris de ce qu'il a dit, quand même Lahandi aura une construction en dur courant 2021. Oui. Sur les 920 écoles fermées au Mali à cause du conflit, plus des deux tiers se trouvent dans les trois régions du centre, Mopti, Ségou et Koulikoro. Les infrastructures sont généralement déficientes au Mali, qui figure à la 182e place sur les 188 pays de l'indice de développement humain établi par les Nations Unies. De fortes précipitations, sans discontinuer depuis plusieurs semaines, ont causé la mort et la disparition de dizaines de personnes à Niamey. Des pluies importantes qui ont gonflé le fleuve Niger. Les eaux de son bassin ont atteint un niveau inquiétant. L'Organisation mondiale de la santé craint une épidémie de choléra. Des pluies abondantes qui s'abattent sur le Niger et le Burkina Faso depuis des mois. La rupture d'un barrage au Mali n'a pas arrangé les choses. Les dégâts sont considérables et les zones affectées sont nombreuses. L'alerte rouge est maintenue depuis plusieurs semaines. Les eaux ont atteint une hauteur jamais atteinte auparavant, plus de 600 cm. La quasi-totalité du 1,5 million d'habitants à Niamey vivent sur les rives du fleuve et certains ont décidé d'y rester pour braver les eaux et sauver leur maison. Les autorités locales de la capitale assurent que la situation est sous contrôle, mais avec des réserves. L'appel qu'il faut lancer, c'est que les gens continuent d'être vigilants, que les gens continuent de s'éloigner du lit du fleuve pour atteindre des meilleurs jours. Des sites gouvernementaux aménagés ont été mis en place pour éviter qu'il y ait de nouvelles victimes. Les pluies ont fait depuis juin dernier 42 morts et plus de 70 000 sinistrés, dont plus de 2 000 à Niamey. Une fois ici, ils sont installés, comme vous le voyez, dans des tentes. Les tentes sont terminées. Nous avons imaginé des hangars qui sont protégés par des bâches fournies par l'OIM, fournies par le HCR et la Croix-Rouge nigérienne. Nous vivons dans les bas-fonds et nous avons été affectés par les inondations. Alors, on nous a transférés sur ce site où nous avons déjà passé deux jours. Nous ne rencontrons aucune difficulté ici. Le site est spacieux, bien aéré. On nous a distribué des vivres aussi, des sacs de riz, de mil. On nous a distribué des moustiquaires. Vraiment, nous remercions Allah. Alors que la météorologie prévoit de nouvelles fortes précipitations jusqu'à la mi-octobre, l'Organisation mondiale de la santé craint une épidémie de choléra.
Et contrairement à ce que l'on peut croire, le virus Ebola continue de sévir en Afrique de l'Ouest, la République démocratique du Congo. Les personnels de santé internationaux, avec l'aide du PAM, le Programme alimentaire mondial, luttent chaque jour pour stopper l'épidémie à travers notamment la mise en quarantaine des personnes infectées. Pendant 13 ans, Mouderoua soutenait ses 7 enfants en vendant des légumes au marché de Beni, en République démocratique du Congo. Mouderoua, qui s'approvisionne en légumes dans les villages limitrophes de l'Ouganda, vit dans la province du Nord Kivu, l'épicentre de l'épidémie Ebola dans le pays. Aujourd'hui, Mouderoua collecte des rations de riz, de haricots, d'huile et de sel du Programme alimentaire mondial, le PAM, car elle fait partie des résidents placés en quarantaine après avoir été en contact avec des malades d'Ebola. J'ai reçu hier un sac de riz et il s'est épuisé plus vite que prévu. Vraiment, dites-moi, dans 21 jours, pensez-vous que cela suffira pour moi et tous mes enfants? Nous ne savons pas comment nous allons devoir vivre. Mouderoua a été mise en quarantaine après s'être occupée de sa sœur décédée du virus à la fin du mois dernier. Les personnels de santé congolais et internationaux luttent pour contenir Ebola en soignant les patients et en vaccinant la population. Le PAM, lui, distribue des vivres sur place pour s'assurer que les contacts ne bougent pas pendant au moins 21 jours de surveillance et empêcher ainsi le virus de se propager. C'est ma sœur qui a contracté le virus Ebola. J'ai été en contact avec elle tout le temps à la maison. Mais quand elle a commencé à attraper la fièvre, nous étions toujours ensemble, jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée. Et alors, je suis allée la voir tous les jours jusqu'à sa mort. Des régions pauvres qui, en plus du virus et de l'insécurité, sont d'abord rongées par la pauvreté et le chômage, ce qui rend le quotidien des populations déjà vulnérables très difficile. Ils doivent nous en donner un peu plus. Je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Imaginez simplement ce qui se passera lorsque la nourriture s'épuisera avant les 21 jours. Selon le PAM, Ebola bouleverse les aspects les plus banals de la vie quotidienne, nuisant aux entreprises locales et les cursus scolaires des enfants et entravant les services de santé de base vitaux et de routine. Cette idée de scale-up et d'augmentation des activités, le PAM a encore besoin de 30 millions pour justement faire face à ces nouveaux besoins, pour faire face à l'épidémie. Dans le pays, Ebola a tué plus de 2000 personnes et en a infecté 1000 autres. En Afrique de l'Ouest, Ebola a tué plus de 11 300 personnes, l'épidémie la plus meurtrière de tout le continent africain. Chez nous, ce sont les eaux stagnantes qui favorisent la prolifération du moustique tigre, dont les piqûres peuvent entraîner un certain inconfort, voire des maladies infectieuses. Le ministère de la Santé a depuis mis en place un dispositif de veille dans tout le pays. Le premier problème causé par ce moustique, c'est la nuisance. Ce n'est pas les maladies qu'il véhicule. Car c'est un moustique qui est très agressif. Il pique de jour, donc on le ressent. Il pique particulièrement dans les parties basses du corps. Il est à peine visible, pique le jour et cause des réactions inflammatoires qui nécessitent parfois le recours aux antibiotiques. Après les dernières pluies, il a envahi les villes, la capitale notamment. Et depuis, on ne parle que de lui, le moustique tigre. Le moustique tigre, c'est vrai que les gens commencent à paniquer pour la raison qui est simple, c'est qu'il y a une prolifération qui est importante ces jours-ci. Donc il y a une prolifération parce que vous savez que le moustique nécessite avoir de l'eau pour pondre ses œufs. Donc comme il y a pas mal de déchets dans les espaces verts, plein d'ustensiles qui peuvent contenir de l'eau stagnante, donc ce moustique profite de cette eau pour pondre et proliférer. Jusque-là méconnu par les Algériens, le moustique tigre s'est en effet installé en 2015 au Maroc, puis en Algérie, dans la ville d'Oran. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à envahir le wilaya du Nord. Le moustique tigre, comme le rappelle le docteur Boubidi, est hautement invasif. Il a aussi de grandes capacités d'adaptation et pond des œufs hautement résistants, notamment au froid. On pense qu'il est entré en Algérie à travers le Maroc par l'Espagne, parce qu'il a envahi tout le sud européen.
Donc on le retrouve en Italie, en France, en Espagne, ainsi que d'autres pays européens. Donc il est entré par, on pense, par le détroit de Gibraltar, parce qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux là-bas. Originaire d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre a entamé sa migration il y a une quarantaine d'années et a fini par envahir le monde. Il a deux modes de voyage préférentiels via les pneus usagés et par route dans les véhicules. Le mode de voyage intercontinental, c'est les pneus d'occasion. Donc à la base, il y avait des pneus d'occasion au niveau de, en Chine, par exemple, ou d'autres pays asiatiques, qui étaient déposés en pleine nature. Et quand il pleuvait, donc ces pneus, à leur base, il y avait de l'accumulation de l'eau. Donc le moustique venait, il pondait ses œufs à ce niveau-là. Et ces pays asiatiques ont vendu leurs pneus d'occasion à d'autres pays, comme les États-Unis, comme des pays européens. Et donc c'est comme ça que ces œufs de ce moustique ont voyagé. Donc ils sont parvenus à d'autres continents. Et ces pneus ont été déposés en pleine nature, il y a eu des pluies, et l'œuf, quand il se retrouve sous l'eau, il éclot, et on a la larve qui se développe dans l'eau, ensuite on a le moustique adulte. Le moustique tigre qui a envahi l'Algérie d'Oran à El Qala et qui a la capacité de transmettre certains virus dangereux, comme celui de la dengue, celui de chikungunya et plus rarement le Zika, n'est porteur d'aucune maladie. La vigilance est du moins de mise avec les personnes qui voyagent dans les pays touchés par ces maladies à transmission vectorielle. Pour rappel, le seul moyen de lutte qui a prouvé son efficacité est l'implication des citoyens pour l'élimination de tous les points d'eau stagnante, sachant que le moustique tigre peut pondre ses œufs même dans un verre d'eau. Et on termine avec cette expédition du bateau le Phénicia qui a été aperçu en escale à Carthage avant d'entamer son voyage vers l'Amérique. C'était il y a quelques jours, un navire marchand, une réplique parfaite du navire Jules Verne 7 trouvé lors de fouilles archéologiques en Méditerranée. La symbolique est forte, celle de revendiquer une possible découverte par les Phéniciens du continent américain bien avant Christophe Colomb. Le bateau Phénicia a accosté il y a quelques jours au port marin de Gamars en prévision de son expédition vers les côtes américaines sur l'Atlantique. Le Phénicia était parti de Cartagena en Espagne à destination de Carthage en Tunisie. À l'origine, c'est une réplique d'un bateau phénicien construit en Syrie en 2008. En 2010, nous avons navigué dessus à travers l'Afrique. Nous voulons faire une expédition sur ce bateau vers les Amériques pour prouver que les Carthaginois auraient pu atteindre ces terres avant les Vikings et Christophe Colomb. Le bateau, long de 20 mètres sur 15 mètres de hauteur, avec un poids qui avoisine les 50 tonnes, a été construit en 2008 en Syrie, sur l'île méditerranéenne d'Arwad, au large de la ville de Tartous. Ce bateau a été construit entre 2005 et 2008, au Liban et en Syrie. Il fait 20 mètres de long et 6 mètres de large. C'est un bateau de commerce, pas de guerre. L'équipage est composé de 12 membres de diverses nationalités, dont le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Zélande, le Liban, le Mexique et la Tunisie. La traversée, qui devra s'étaler sur 3 mois, suivra un itinéraire prédéfini qui les mènera de Carthage vers le Gibraltar, la ville de Cadessa en Espagne, les îles Canaries, un archipel marocain sur l'Atlantique, pour arriver sur les côtes américaines donnant sur l'océan Atlantique. Le but de la traversée est de prouver que la découverte du nouveau continent était bien avant Christophe Colomb en 1498. Et c'est la fin de ce magazine de l'information. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bonsoir.